Soyez les bienvenus dans mon antre de magie et de mystère, dont je vais vous révéler certains secrets. Je suis une enchanteresse, une fée, et je me nomme Morgane. Sing me a song of a last that is gone. Say could that last be I. Eh bien, je suis Santa Desdemona, alias Morgane la fée. Et je viens de donner plusieurs spectacles, plusieurs représentations de mon spectacle. Voilà, autour des légendes arthuriennes, de l'herboristerie, du féminisme sacré. Voilà, des choses comme ça. Et je viens de Saône-et-Loire, à Essertaine. Voilà, donc j'ai fait un petit peu de route, mais ça valait le coup, c'était super. Alors, je fais pas forcément beaucoup de médiéval. Bah déjà, je commence un peu, parce que comme j'ai une autre activité de costumière, je dois jongler entre ces deux métiers-là. Mais je commence à faire plusieurs dates. Et donc, des médiévales et puis aussi des conventions un petit peu plus multi-univers, multi-époques, des choses comme ça. Donc voilà, pas que des médiévales. Après, moi, j'ai un univers plutôt fantastique, pas historique. Donc il faut que ce soit des médiévales qui acceptent le côté un petit peu légende, fantastique, féerique. Voilà. Bah, on peut me retrouver sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook. Voilà. Mais surtout Instagram, très régulièrement. Et YouTube, je mets pas de choses qui servent à rien. Je poste soit des clips, soit des covers, ou soit des extraits de spectacle. Donc c'est pas très régulier, mais c'est quand même, y a quand même beaucoup de choses dessus. Et ben, je connaissais pas, j'ai découvert, et donc c'est une très chouette fête médiévale. Moi, je suis bien contente d'avoir découvert tout ça. C'était la première fois que j'étais à côté d'autant d'artisans et tout, donc c'était top. Le campement, tout ça. Et puis on avait un super cadre, alors ça par contre je trouve que c'est vraiment joli. Puis déjà on était sous les arbres, ce qui est quand même super bien par rapport à d'autres événements où on est vraiment en campagne, en plein soleil. Donc c'était très chouette, voilà, j'ai été très bien accueillie, je suis ravie. Voilà, et peut-être l'année prochaine. Et je sais qu'ils ont l'intention chaque année de faire grossir encore plus cet événement avec encore plus d'animations et de propositions et tout, donc j'ai hâte de voir. Et ben, vive les femmes sauvages et libres. Et voilà, et vive la magie ancestrale des plantes, des pierres et tout ça. Celles qui vont au bois, c'est la mère et la fille. Celles qui vont au bois, c'est la mère et la fille. Je relâche ma tension, donc je vais partir par là-bas. Regardez bien ici. L'épinglier va tourner autour de la bobine et ranger automatiquement le fil. Grâce à cela, je peux filer. Alors ça, bah après vous imaginez ça avec vos pieds. Hein. Alors il y a des métiers à carte qui sont 5 mètres à enfiler au départ. C'est un métier à carte, mais qui est...
c'est la croix de Malte. Non, c'est pas la croix de Malte, c'est la croix bâtée. C'est tout réside dans la forme des branches et la taille des branches. C'est pas la même chose que là. Alors, c'est une variante. Charcosset, donc je suis le chevalier croisé et comme vous pouvez le voir aujourd'hui, j'ai dressé campement à Villeneuve-sur-Yonne pour présenter la vie de camp d'un chevalier croisé avec toutes ses armes, ses armures, et je suis ravi d'être ici aujourd'hui pour vous montrer tout ça. L'objectif de ma micro-entreprise Crusader, c'est de faire de la pédagogie, de présenter les armes et les armures, d'échanger avec les gens et pourquoi pas susciter des vocations, des passions et tout ça. Le principal, c'est surtout de mettre plein d'étoiles dans les yeux des gens et que tout le monde puisse repartir avec un bon souvenir de cette journée de fête médiévale. Je fais quelle époque? Je reconstitue le Moyen-Âge, plutôt la période des années 1190-1220, donc c'est la troisième croisade, c'est Richard Cœur de Lion, Philippe Auguste qui partent en campagne en Orient, et je fais partie de ces chevaliers-là qui partent à la croisade. Oui, on peut me retrouver sur les réseaux sociaux, j'ai une page Facebook qui s'appelle Crusader, ou @ le chevalier croisé, vous tapez dans la barre de recherche et puis vous me trouverez. Avec grand plaisir. J'ai trouvé que pour une fête médiévale locale, c'était vachement bien. Il y a eu beaucoup de passages, les gens se sont montrés intéressants, curieux, on a bien échangé, à tel point que tout le stock de diplômes que j'avais pour les enfants y est passé. Donc c'est que la mission et le contrat étaient remplis. Donc je suis très heureux d'avoir participé à cet événement. Et pourquoi pas y reparticiper l'année prochaine ou dans 2 ans, je ne sais pas. On verra comment les choses se présentent d'ici là. Qui représente un pot à peu près de 15 kilos. Donc, il faut un an de travail pour arriver à en faire une. Ça représente 15 000 anneaux assemblés les uns aux autres. 15 kilos, c'est ça. 15 000 anneaux pour arriver à faire ça. Et un poids de 15 kilos à peu près. Et là, vous avez l'armure du serviteur du chevalier qui l'accompagne à la guerre. Donc c'est soit l'écuyer, soit l'homme d'armes. C'est ce qu'on appelle un gambison. C'est une armure matelassée en lin, différentes couleurs de tissu. Puis par-dessus, vous avez ce qu'on appelle un casque nasal. Protéger le nez, le nasal, ça veut dire le nez en latin. Et puis devant vous, là, vous allez avoir tout ce qui va être hache. Donc pareil, ça c'est plutôt conçu pour détruire les boucliers, ouais. Essentiellement. Et puis là, vous allez avoir la masse d'armes. Donc ça, pareil, c'est une arme qui est faite pour détruire. Donc plutôt sur de la coupe de maille. On ne cherche pas à tuer nécessairement à mon époque, on va plutôt chercher à blesser, à faire prisonnier pour rançonner contre de l'argent, parce que la vie humaine représente un coût important de l'époque.